Salut à toutes et à tous, la compagnie des gamers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire, parce qu'aujourd'hui, je vous annonce mon retour sur YouTube, puisque vous avez remarqué que depuis quelques semaines, je faisais plus grand chose. J'ai fait un live Evil Within l'autre coup, et je suis en train de le continuer. Mais parce que voilà, j'ai envie de m'éloigner un petit peu de YouTube et tout ça, parce que dans la vie, il n'y a pas que YouTube. On a une vie aussi à côté, j'avais besoin de prendre du recul par rapport à ça puisque l'envie ne me disait plus d'être sur YouTube pendant ces quelques temps. Donc je me suis dit, plutôt que de supprimer ma chaîne et de regretter après, je me suis dit je vais prendre un peu de temps pour moi, pour faire autre chose, pour penser un peu à autre chose, avant de peut-être de revenir de plus belle. Je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur ma chaîne. Déjà, il y aura plus vraiment une vidéo par jour. J'essaierai de faire environ 2 lives par semaine. Il y aura 2 let's play par mois qui pour vous, à la fois pour vous faire découvrir et vous dévoiler le test d'un jeu. En fait, ce sera une vidéo, voilà, il n'y aura pas une découverte et un test, ce sera une vidéo découverte et test en même temps. Je mettrai pas de notes, je vous mettrai un curseur pour vous donner à peu près la qualité du jeu, vous dire s'il est médiocre, s'il est passable, s'il est correct, s'il est bon, s'il est très bon, s'il est excellent. Voilà, je mettrai un curseur comme ça parce que pour moi, de noter de 1 à 20, je vois pas l'intérêt honnêtement. C'est assez factice, hein, voilà. Une note entre 15 et 17, c'est complètement différent. Donc je préfère vous faire un petit curseur comme ça. Ça sera pour vous faire découvrir des jeux que je vous ferai pas forcément en live. Parce que voilà, par exemple, j'ai pas mal de jeux PS3 que je pourrais pas vous faire en live parce que j'ai pas l'appareil. Et honnêtement, j'ai pas envie de l'acheter puisque j'ai déjà les appareils pour vous streamer. La PS2, la PS1, la Nintendo 64. Et je peux faire la PS4 aussi, donc j'en ai largement assez. Donc je n'achèterai pas de boîtier pour streamer la PS3. Je vous ferai des let's play pour vous faire découvrir les jeux. Je ne ferai plus de let's play complet comme j'ai fait pour Red Dead Redemption parce que c'est trop long. Et j'ai pas que ça à faire en fait. Je préfère vous faire une vidéo en vous faisant découvrir le jeu pendant une trentaine de minutes en vous parlant du jeu, de ce que j'ai ressorti. Parce qu'évidemment quand je ferai le test, je vais déjà jouer une paire d'heures. Hein. Je ne vais pas vous faire le test alors que je commence le jeu. Du coup voilà, il y aura également une fois par mois un côté histoire parce que vous savez que j'adore l'histoire, donc je vais pas laisser tomber ça. Ce sera sur un sujet quelconque, hein. Je vais continuer un petit peu la première guerre mondiale, il y aura d'autres sujets là. Je vous prépare un sujet sur une légende vers l'année qui s'est déroulée vers l'année vers l'an 1000. Vous verrez, c'est une légende que tout le monde connaît sous le nom d'un jeu. Mais je me suis attardé dessus pour savoir un petit peu ce qui s'était réellement passé par rapport à ça. Donc voilà, mon prochain côté histoire, ce sera par rapport à ça, je vous en dis pas plus. J'ai également un projet de let's play narratif que j'ai bien commencé. J'ai déjà fait l'épisode 1, j'ai commencé à tourner l'épisode 2. Ça sera une histoire pour vous faire découvrir à la fois plein de jeux, mais qui sera à la fois fictif. C'est-à-dire que je vais parler moi-même en voix off pour vous raconter une histoire. Et vous par rapport à ça, vous allez découvrir plein de jeux, donc sûrement que, c'est sûr que vous allez reconnaître. Et il y aura peut-être des jeux que vous connaîtrez moins. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, faire un petit mix de tout ça. Ma foi, on verra bien. Après, peut-être je vais me taper des droits d'auteur, ça c'est le risque, hein, voilà. Ça peut arriver, mais après, moi honnêtement, je m'en bats les couilles, je monétise pas, et voilà. On verra bien.
Sinon, au niveau des achats, des achats, je vais un peu ralentir. Je prévois d'acheter, malgré moi, j'ai dit que je l'attendais pas trop, Red Dead Redemption 2. Parce que c'est vrai que quand je vois les trailers, quand je vois les gens y jouer, quand on voit tout ce qu'on peut faire, le paysage magnifique que c'est, franchement, ça donne trop envie. Alors je pense que je vais me le payer, ce Red Dead Redemption 2. Et Battlefield 5 aussi, voilà. Je vais vraiment jouer beaucoup à ce jeu. Du coup, voilà, je risque pas de m'attarder sur trop d'autres jeux en ce moment. Je pense que je vais vous faire du Red Dead en live et un petit peu de Battlefield de temps en temps, voilà. Ça sera un petit peu le programme pour, on va dire, les 2-3 mois à venir, parce qu'à mon avis, Red Dead, j'ai de quoi faire. Battlefield, bah, c'est un jeu un peu infini, hein. Je ferai le mode campagne d'abord sur Battlefield. Voilà, je ferai d'abord le mode campagne et puis après, on fera un petit peu en multijoueur. Quand je serai un petit peu plus fort, parce que c'est vrai que je suis pas super bon multijoueur, donc je vais jouer une paire d'heures hors live et tout ça, mais histoire de m'entraîner un peu, parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop joué depuis la bêta et puis à d'autres FPS, ou aussi je me fais un petit mode zombie sur Call of, mais c'est pas du tout le même truc, hein. Call of c'est beaucoup plus arcade, alors que Battlefield c'est plus simulation, on va dire. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Il y a également le remaster de Spyro qui me plaît bien, donc je pense que je vais l'acheter et peut-être que également je vous ferai des Spyro en live, pourquoi pas. Après tout, ce sera les trois jeux que je risque de vous faire là. Peut-être du Origins après par la suite, je sais que tout le monde l'a fait, mais moi je l'ai pas fait, donc je le ferai certainement après Red Dead Redemption pour pas mélanger trop de jeux. Enfin voilà, après je vous dirai quoi, une fois que j'aurai fini ce Red Dead, je pourrais peut-être également vous faire du Red Dead Online, parce qu'il paraît que ce sera un vrai GTA V, peut-être même encore mieux que GTA V Online. Du coup, voilà, je risque de passer beaucoup de temps sur Red Dead et sur Battlefield 5. Je vous ferai du Spyro de temps en temps. Pour ce qui est des lives, je risque de vous faire des lives le mercredi, le samedi et le dimanche, voilà, donc les jours où les gens ne travaillent pas. Du coup, il y aura environ 2-3 lives par semaine qui seront environ de, on va dire, entre 1h et 3h. Du coup, voilà l'orientation de ma chaîne. Après, pour ce qui est des vide-greniers, quand ça reviendra, on verra bien, honnêtement, on verra bien. J'ai envie de continuer mes vide-greniers live, ouais, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien partir au 13h le dimanche matin, enfin, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et que vous comprendrez que j'avais pris un peu de recul. Je suis désolé si je suis pas passé sur vos chaînes depuis un certain moment, j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Je repasserai sur vos chaînes, j'essaierai de me prendre une heure ou deux par semaine pour passer un petit peu sur toutes vos vidéos, vos lives et tout ça. Pour retrouver cette complicité avec les gens YouTube que j'avais auparavant. Je m'en excuse si je vous ai manqué, si vous avez cru que j'arrêterais YouTube. C'est vrai que je me suis posé pas mal de fois la question, mais après tout, le jeu vidéo c'est ma passion, YouTube j'adore être dessus parce que j'échange avec des gens qui adorent le jeu vidéo également, même l'histoire. Quand je fais des trucs d'histoire, j'échange pas mal avec des gens qui me posent des questions, qui me parlent sur les batailles, comme sur la bataille du Haut-du-Fin, j'ai découvert que il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit, bah, mon grand-père y avait participé, et voilà, je suis content de trouver un mini documentaire là-dessus, même si c'est pas tout juste ce que tu dis, au moins, t'as essayé de leur rendre hommage à ta manière, c'est super cool, et voilà. Et bah, ça fait plaisir de recevoir des messages comme ça, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a plein de batailles qu'on connaît pas, on parle toujours du débarquement de Normandie, de la bataille de Verdun, de la prise de la Bastille, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites batailles qu'on connaît pas, et pourtant elles ont été peut-être tout aussi importante dans l'histoire. Il faut savoir qu'à la Seconde Guerre mondiale, chaque petite bataille a compté, hein, honnêtement. Les Allemands, ils ont pas reculé pour rien. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Pensez à mettre un petit like, à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire ce que vous pensez, si vous êtes content ou pas que je revienne sur YouTube, à me dire « Ouais, tu fais chier et tout ». Évitez les insultes. Enfin, de toute façon, les commentaires, je les lis. Donc, il n'y aura pas de souci, je veux pas de pommes pourries dans mes commentaires, parce que comme on dit, quand il y en a une qui est pourrie, après c'est la cagette qu'il faut jeter, hein, voilà. Allez, sur ce les amis, bonne journée, je vous dis à la prochaine, mon premier let's play, il sera dans 2-3 jours, mon live, pareil, du coup, voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et vive les jeux vidéo, salut à tous.